Sport nous a conviés à cette rencontre. Nous avons tous vu et apprécié l'ouverture du palais à la faveur de l'Afro-Basket. Et il était important, après cette grande compétition-là, que les responsables du palais puissent rencontrer les différents responsables de fédération qui pourraient utiliser le palais pour voir quelle orientation donner par rapport à l'utilisation de ce palais. Et donc je repars satisfait. Le directeur du stade nous a présenté en tout cas les grandes orientations, la vision que le ministère a pour l'utilisation de ces salles-là, de ces trois salles. Nous avons présenté nos inquiétudes, nos doléances, et il est ressorti qu'au niveau des fédérations, il était important que nous retrouvions pour voir comment est-ce que nous pouvions coordonner l'utilisation de ces salles de jeu et revenir vers la tutelle pour essayer d'adopter un mode opératoire, un mode de fonctionnement d'utilisation de ces infrastructures. Donc nous sommes heureux de cette initiative de l'OMS et nous espérons que la collaboration sera permanente pour permettre en tout cas un redécollage du sport ivoirien avec la disponibilité de ces salles. Et cette réunion est de l'importance. C'est une réunion pour annoncer aux fédérations l'arrivée des activités sur le palais des sports. Et cette reprise des activités est soumise, je veux dire, à un cahier de charge, à une nouvelle orientation, à une nouvelle vision. Vous savez, les infrastructures sportives que nous avons acquis à la faveur de l'Afro-Basket méritent d'être entretenues et doivent avoir une nouvelle gestion. C'est cette gestion que nous avons essayé de partager avec les différentes fédérations en leur disant que ce qui était hier ne sera plus aujourd'hui. Notamment en leur faisant passer le message du ministre qui souhaiterait que les fédérations s'adaptent à la nouvelle vision, à la nouvelle gestion de ces infrastructures sportives. C'est ce que nous avons discuté avec les fédérations. Et il est sorti qu'elles devaient se retrouver en groupe de travail pour nous produire un cahier, je ne veux dire pas de charge, mais un cahier d'utilisation de ces infrastructures-là qui devait pouvoir être soumis à la tutelle, qui donnerait un avis sur ces différentes propositions.